Maintenant, je vais incorporer un peu de jaune avec du rouge et un petit peu de terre de sienne pour donner des effets un peu plus orangés. Peu de blanc aussi. À la façon d'un vieux mur, un petit peu délabré. Là, je fais glisser mon couteau sans appuyer pour donner ces effets de vieux mur. Peu de blanc. Je vais finaliser maintenant les pierres qui entourent cette porte. Alors je vais faire 2-3 teintes différentes, du blanc, blanc terre de sienne, blanc, je vais prendre du brun ici, plus encore terre de sienne. Là, puis quelque chose encore plus clair, blanc. Avec à peine de terre de sienne. Voilà, alors je commence par la plus sombre pour monter après dans les teintes plus claires. Voilà, je vais reformer ces pierres de façon un peu plus précise et plus claire, quoi. C'est un peu mieux délimité. Alors, par la même occasion, je vais mettre en place l'escalier ici. Bon, c'est un peu toujours la même couleur, hein, du brun, terre de sienne blanc.
Alors, le brun sombre, je rajoute un peu de terre lucienne avec, et puis je vais renforcer le joint des pierres, comme ça. Mettre un peu d'ombre entre les pierres. Alors on passe maintenant à la verdure, au feuillage. Donc on va prendre une bonne dose d'outre-mer avec du jaune, une petite pointe de terre de sienne, voilà, ça fait un vert assez sombre. Donc pour commencer, je coupe le mélange en deux. Et je rajoute de l'outre-mer, que ce soit assez sombre. Et une pointe de vermillon. Voilà, qui nous donne une couleur assez sombre, un vert sombre. Et on va installer la sous-couche du feuillage. Alors je n'hésite pas à mettre une bonne quantité de peinture au bout du couteau. Et à essuyer régulièrement si on entraîne un peu de sous-couche en déposant cette teinte. Vous voyez? Donc on essuie régulièrement. Vous voyez que mon poignet il tourne de façon à ce que les coups de couteau soient irréguliers et n'arrivent pas tous dans le même sens. Alors, pas hésite à prendre du recul pour voir ce que ça donne. Toujours bien essuyer son couteau, c'est important. Là, et puis ici, on va carrément. Alors, je gratte un petit peu la sous-couche pour ne pas trop l'entraîner. Et là, ça va mordre très nettement sur la porte. Pour ça que je ne suis pas allé trop dans le détail pour faire les pierres de ce côté-là. Que je savais que ça allait être masqué en grande partie par les feuilles. Alors ce qu'il faut, c'est soigner les extrémités surtout, de façon à ce que ça ne fasse pas trop compact.
Alors, je vous rappelle que la lumière, elle arrive de la droite, plutôt vers le haut, comme ceci. Alors là, on va commencer à éclaircir ce vert. Alors là, c'est le même, sauf qu'il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de rouge, mais davantage de jaune. Hein. Voilà, je vais rajouter du jaune quand même. Qu'on voit un peu plus la différence de teinte. Là, j'ai juste à faire frotter mon couteau et la peinture accroche par endroits. Là, j'insiste bien sur le côté droit du feuillage. Et vous allez voir que ça va se mettre en volume progressivement. Encore du jaune. Là, on voit plus nettement que la teinte s'éclaircit. On n'oublie pas d'essuyer son couteau régulièrement. J'insiste pas trop côté gauche. Alors jaune, toute petite touche de bleu, puis là on va introduire un peu de blanc dans le mélange, pour que ce soit bien percutant au niveau de la lumière. Là, je tapote et ça accroche tout seul. Alors sur le côté droit, je vais faire monter un petit rosier. Là, il me reste du brun moyen, disons. Là, je vais m'en servir pour faire monter ça, quelques petites branches. Si vous reste du vert foncé, vous placez quelques petites feuilles comme ceci.
du bout du couteau. Là, on peut les éclairer légèrement avec un verre plus clair, comme ça, quelques petites touches. Ensuite, vous prenez du vermillon, vous chargez l'extrémité du couteau, la pointe, voilà, pour mettre quelques touches plus chaudes de ce côté-là. Là, on peut rehausser avec une petite touche de jaune dedans, dans le rouge. Toujours côté droit, là où la lumière arrive. Là. Et pour terminer, je vais mettre une touche chaude aussi dans le feuillage, là. Parce que ça fait un peu trop vert, donc on va utiliser cette fois du magenta. Pour l'instant, je mets une petite touche de blanc dedans. Voilà, et on va animer un peu ce côté-là en plaçant des touches de couleur plus chaude. N'hésitez pas sur l'épaisseur, maintenant on peut y aller, c'est les premiers plans. Voilà, maintenant on peut mettre un peu plus de blanc dans ce mélange. Ça va dynamiser les fleurs qu'on a déjà posées. Alors sans excès, hein. Quelques petites touches par-ci par-là. Là, je verrais bien quelques petites feuilles, genre du lierre
qui s'avancerait là comme ça au haut de l'escalier. Alors avec de l'outremer, je mets une petite touche de jaune dedans. Voilà, pour briser un peu cette ligne qui me semblait un peu trop raide. Voilà. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère que vous prendrez du plaisir à reproduire ce tableau chez vous. Voilà, si vous n'êtes encore pas abonné, vous pouvez toujours le faire pour être tenu au courant de la prochaine sortie de mes vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!